Hey, bonjour Emmanuel, comment on se retrouve? Bientôt la rentrée pour certains et d'autres la reprise de boulot. Donc la petite vidéo, on va commencer par une petite vidéo Nose et puis achat au champ. Et puis là je vous montrerai le stock que j'ai trouvé Zcash puis un brocanteur. Donc il y en a pas mal de films qui sont pas mal de films arrivage. Donc allez c'est parti. Donc voilà, on va commencer dans le Cultura en Cujo, que je l'avais pas dans ma collection. Maxon, je recommande parce que très bon film. Les nouveaux mutants, c'est vraiment pour l'avoir dans la collection, mais sinon c'est franchement c'est nul. Je comprends pourquoi il a mis du temps à sortir. La voie de la justice, je l'ai pas vu encore. Wending for the Barbarian. Donc là, je l'ai pris pour Johnny Depp, être un acteur, hein. Et Robert Pattinson, donc un bon casting. Donc, on verra ce que ça donne. Reminiscence que j'ai pas vu avec Hugh Jackman. Ça, c'est petit cadeau de ma femme. Dune. Donc, moi, j'avais l'ancienne version. Donc, on verra ce que ça donne. Ma femme est pas très fan de celui-là. Donc, on verra. Tchampantin. Pantin. Alors, lui, je le cherchais depuis longtemps. Très, très bon film avec Coluche. Ensuite, moi, j'ai pris une petite comédie, Mandibule. Donc, on verra ce que ça donne. Vampire contre vampire. Vampire, vous avez dit vampire, pardon. Je me trompe avec fantôme contre fantôme. Donc moi j'ai jamais vu. Ma femme l'a vu. Elle m'a dit qu'il était très bien. Moi j'ai la version remake, je crois, Friday Night avec Colin Farrell. Donc on verra ce que ça donne. Willy Wonderland, alors loufoque. Ne vous attendez pas à des dialogues de ouf. Parce que Nicolas Cage décroche pas un seul mot. Comme ça vous êtes avertis, hein. Mais sinon, très bon film. Ouais, petite comédie, voilà, puis c'est du Nicolas Cage tout craché. Primal, par contre, lui est un peu mieux, je trouve. Nicolas Cage est parfait, voilà. Donc, ça, c'est encore des cadeaux de ma femme. Conjuring 3, on a sursauté tous les deux. Ouf, pourtant, il fait pas si peur que ça en fait. Mais ouais, c'est le petit moment sursaut, mais voilà, pas mal. Hein, donc, ça, c'est Ice Road aussi, avec Liam Neeson. Donc, ça, je le voulais, il me l'a pris. Donc, ça, c'est plutôt un bon cadeau. J'ai hâte de le voir. Bon, petit film d'action, voilà, avec Liam Neeson toujours en forme. Et The Kingsman, première mission. Voilà que ce que ça donne, parce que moi j'étais fan des deux autres. Donc là, on verra le préquel, s'il est bien ou pas. Donc ça, c'était l'arrivage pour Cultura. Donc maintenant, on va faire tout ce qui est Nose. Et Nose, il y en a beaucoup. Donc Nose, on va commencer par le Mortal Kombat 4K. Donc lui je l'ai, lui je vais le vendre pour pas cher. Hein. Moi c'était pour les dessins animés, Mortal Kombat, mais les garder, du coup je peux pas vous le présenter. Donc il y avait aussi Creed en Blu-ray. La rage au ventre. Creed 2 en Blu-ray aussi, donc tout à nos, hein. Ça vaut le coup. Gangster Squad en DVD. Mais ça c'est dans un coffret que j'ai déchiré. Donc, ça c'est bon. Alors maintenant on va commencer vraiment ce que je garde. Donc Warning Do No Play. Donc là je le connais pas. On verra ce que ça donne. Sélectionné au Gérardmer. Donc on verra. Normalement c'est pas mal. Donc on va faire vite fait les Blu-ray. Memory of War. Petit film de guerre plutôt sympathique. Oro la cité perdue. Frontier. Donc ça, comme beaucoup, j'ai vu que pas mal avait pris aussi. Fighter en Blu-ray. Wrecking Bill avec Robert De Niro. Très bon film. Après, les dessins animés, les Croods. Donc là-dedans, il y a le Blu-ray DVD. Pour le prix, hein, c'était 1 €, donc ça vaut le coup. Green Book. Donc là, il faisait partie d'un petit coffret à Noz. Dedans, il y avait la mule aussi. Donc la mule je l'avais en DVD, mais du coup j'ai repris le coffret pour l'avoir en Blu-ray, hein, excellent film. Puis Green Book je le connais pas encore. Ensuite Rocky, bah, je l'avais en DVD, mais là c'est l'édition 40e, puis pour en Blu-ray, voilà, pour pas cher. Donc ça vaut le coup, hein, vive Noz. Mermaid avec Gérardmer. Donc il y avait pas mal d'arrivages de Gérardmer. Hein. Sobibor. Là que je connais pas du tout. Dragon 2. Il y avait aussi le 3, je crois. Les Chevaliers du Zodiaque.
La légende du sanctuaire. Donc, je crois que c'est le tout dernier. Je sais pas si c'est bien ou pas. Baby Boss en Blu-ray, Blu-ray 3D. Kung Fu Panda 2. Ah, petit dessin animé toujours mignon, toujours comique. Kung Fu Panda 3 que je l'ai pas vu encore celui-là. Donc dedans il y a tout, hein. DVD, Blu-ray et Blu-ray 3D. Madagascar 3. Je l'avais en DVD mais du coup j'ai repris en Blu-ray. Hein. Tant qu'à faire pour le prix. Et En route. Donc ça c'est pour les Blu-ray. Anose. Ensuite, j'ai pris le petit coffret Bugs Bunny. Ah, pour les souvenirs d'enfance. Hein. Voilà, quelques petits films. Le petit coffret, Les Sorcières. Donc le remake et l'ancien. Voilà ce que ça donne. Judas and the Black Messiah. McLayton, donc avec John Way. Ça, c'est pour ma grand-mère. Très bon film. Enfin, pour moi aussi. Hein. Ça, on va faire après. Il y avait ça. Aussi, la Revanche de Blonde et la Blonde contre-attaque. Donc, je crois que j'en avais un sur les deux. Puis là, pour le prix, 2 € pour les deux. Allez hop, je prends. Ensuite, un petit coffret Dusty Hoffman. Donc, certains avaient le coffret Clint Eastwood. J'espère l'avoir bientôt dans mon nose. Mais là, c'est Dusty Hoffman. Donc, 3 films dedans. Pour 3 €, je crois, 3,99 €. Donc, il y a Rain Man, Les Hommes du Président et Macadam Cowboy. Ça vaut le coup. Hein. Brooklyn Affair. Donc, ça, j'avais pas. Un très bon casting. Hein. Bruce Willis, Edward Norton, enfin, etc. Ballistique. Avec Antonio Banderas et Lucilio. Toujours à nous. Hein. Live by Night. Avec Ben Affleck. Là, c'est tous les trucs à moins 50. À 50. Attendez, je vais vous montrer. Ah, déjà le Far Cry Warrior. Donc là, ça peut être un nanar, mais je suis nul, mais bon, on verra ce que ça donne. Le fauteuil d'orchestre. La légende de la momie. Suspicion. Donc voilà, ça c'est tous les DVD normaux. Et là, et après, il y avait un coffret, enfin, un bac à moins 50, vous savez, dans les nozes, hein, des fois. Donc là, j'ai pris les Superman, l'homme de demain. Donc on verra ce que ça donne. La saison 3 de The Original. Je connais pas du tout, dites-moi en commentaire si vous connaissez. La saison 2 et 3 de Dallas. Tout à moins 50, donc ça me les a fait 1 € les. La saison, ça vaut le coup. Sinon, j'aurais pas pris parce que je suis pas trop fan. Teen Titan, pareil, hein, ça m'a fait 50 centimes le DVD. Donc autant dire, tant mieux. La Ligue des Justiciers Nouvelle Frontière. Donc, on va voir ce que ça donne. Et Batman, le défi, Unité des super-héros. Donc on verra ce que ça donne aussi. C'est plutôt bien fait, les Lego films. Donc voilà. Voilà, donc c'est tout pour le moment. Déjà pour Nose et Cultura.